la critique ou, de Bourdieu. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce que pensait Bourdieu du roman et de l'œuvre de Mamet? Alors, peut-être pour dire quand même comment Bourdieu dit, alors je cite, je peux retrouver la citation exacte ici, mais il dit, Bourdieu considère qu'il s'est exprimé à la manière d'un jeune agrégé plein de talent et qu'il a été le porte-parole de son peuple, mais pas dans le sens où de quelqu'un qui parle au nom des autres, mais dans le sens où quelqu'un qui donne la parole aux autres. C'était la précision de Bourdieu. Et son article, il a fait un article dans Le Monde, un disparu numérique, il l'a appelé La colline retrouvée. Et il y a eu un dialogue très intéressant, Mamry Bourdieu, qui porte sur la sociologie, qui par ailleurs est connue dans ce monde-là. Je voudrais également citer un autre témoignage. Bourdieu et Mamry ont été amenés à collaborer dans des échanges qui ont été publiés dans des revues de sociologie. C'est Fanny Colonna qui les a fait se rencontrer. Et Fanny Colonna, d'ailleurs, m'a dit qu'elle avait vécu à l'époque, quand elle venait d'arriver de Constantine sur Alger, les coups incroyables de cette polémique du jeune musulman, de ces attaques de la colline oubliée, parce que c'était l'année où elle était arrivée à Alger, elle était étudiante en classe prépa au lycée, à l'époque on appelait lycée du Jeu, le lycée Abdelkader aujourd'hui, et que tout le monde ne parlait que de ça. Voilà d'ailleurs ce que dit Mohamed Harbi lui-même dans son autobiographie à propos de cette polémique. Et lui-même, il m'a dit qu'il avait participé à cette campagne de dénigrement de la colline oubliée. Il le regrette aujourd'hui, je le cite. Hein. Voilà. C'est la page 100 de son livre Un Algérien debout. Avec les écrivains comme Mohamed Chirif Sahli et Mostafa Nachorov, nous estimions que l'important dans une œuvre était la cause qu'elle servait. Je me remémore, non sans regret, toutes les attaques que Mouloud Mamry a eu à subir de notre part lors de la publication en 1952 de son roman La colline oubliée. L'inquiétude d'un Mohamed Harkoun, alors simple étudiant quant à la politisation de la culture, s'accompagnait d'une véritable angoisse quant au destin de l'intelligentsia algérienne. Il voyait dans notre approche de la culture un élément de coercition et de police des idées. Notre sectarisme aggravait son angoisse. C'est le témoignage de Harbi qui, à mon avis, redonne, donc de quelqu'un qui a participé de l'autre côté à cette campagne. Des autres écrivains. Les autres écrivains, il y a Mohamed Dib qui avait publié en même temps que lui, qui ne s'est pas beaucoup exprimé. Sinon, il n'y avait pas vraiment d'écrivain connu à l'époque. Hein. J'ai cherché à savoir si Jean Amrouche s'est pas mêlé de ça. Pas à ma connaissance en tout cas, j'ai vraiment cherché, j'ai rien trouvé. Feraoun n'était pas encore connu, encore une fois. Il venait juste de commencer, le petit instituteur du bled, comme dirait la charaf. Voilà, donc... Kateb Yassine n'était pas encore connu. Il y a Jean Sénac, donc... qui a écrit. Alors Jean Sénac, il a fait une critique, disons, sociale, entre guillemets. Il trouve que la dimension de classe, etc., n'était pas suffisamment développée, mais il reconnaît que c'est un bon livre. Tandis que la Chaleur, pour moi, c'est une démolition systématique. Hein. Il dit, même sur le plan littéraire, ça ne vaut rien, une stérile, c'est même pas un document. Mais c'est très intéressant, j'ai mis en parallèle la critique de Tahar Hussein et de la Chaleur. On a l'impression qu'il répond à la Chaleur parfois. Hein. Parce que Tarzine dit au contraire, c'est un véritable document sociologique, c'est très intéressant, etc. Et au-delà de ça, il y a une dimension littéraire et que ces deux dimensions, chacune d'elles, en font vraiment une œuvre d'une excellence inégalée. Voilà, il a quand même écrit une critique de 14 pages, donc c'est pas un petit feuillet comme ça. Et quand il y a eu la réunion des écrivains algériens au Caire, Tahar Hussein, Mamry a de nouveau subi les attaques de la part de tous ses collègues, justement. Et Kateb Yassine l'a défendu à ce moment-là. Et Tahar Hussein aussi a de nouveau pris sa défense. Il n'avait pas l'habitude de répondre. Moi, j'ai participé une fois, je crois que il me semble que tu étais présent, quand Ali Zamou m'avait érigé donc, la stèle
du premier novembre 1954 à Herry-les-Moulins, là où a été rédigée donc, la déclaration du 1er novembre, elle est, je pense que c'était en 1987. Donc là, le ministre de l'Éducation, j'ai dit, il était présent. Je crois que pas là. J'étais présent. Et donc, Mamri était là. Moi, c'était la dernière fois où je l'ai vu. Alors, le ministre des Moudjahidines avait prononcé un discours en arabe. C'était, comment il s'appelle ce ministre? Il est de la région d'Adabas. Il connaissait, il parlait berbère, mais il a prononcé dans un village, Kabila Rinoula. Il a prononcé le Kachim. Non, Kachim Moultrasset. C'est ça. C'est un mot, peut-être que ça va revenir. Alors, il a prononcé un discours dans un petit village à Herry-les-Moulins, en arabe. Donc, beaucoup d'étudiants de l'université d'Hasnaoui étaient présents. Il y avait Mahnou, il y avait toute l'équipe Sabahro, etc. Il y avait tout le comité était présent. Donc, il a été hué. Et donc, ça a failli. Ali Zaboum l'a fait de bonne foi, il l'a invité. Et là, quand il y avait la gendarmerie, etc., donc à nous, il y avait un moment de tension. Donc on s'était replié et on avait vu Mamri, parce qu'on dit, venez nous voir. Enfin, souvent, on l'invitait à l'université, il venait nous voir, c'était la dernière fois qu'on est venu. Donc il dit, non, il ne faut pas lui jeter la pierre, etc., c'est pas grave, ce sont des gens qui sont comme ça, de toute façon, ils ne vont pas changer maintenant. Donc inutile de. Il ne réagissait pas, il laissait. Bon, ce n'est pas de sa nature de répondre à des critiques, je pense, mais vous connaissez mieux que moi. Non, je vois qu'il n'avait pas un tempérament polémiste, hein. C'était pas du tout un homme qui n'aimait pas être exposé comme ça. Bah, tiens, je viens de retrouver le nom de l'été, ça m'est revenu, le nom de l'écrivain. Voilà, c'est Antoine Blondin. C'est pour vous dire simplement que ça n'avait rien à voir avec l'histoire de colonialisme, ce prix-là. Hein. Voilà, c'est Antoine Blondin qui était l'écrivain, qui a été pris Goncourt, etc. Et Mamri a eu le prix, voilà, alors qu'ils étaient les deux finalistes pour ce prix des quatre jeux. Oui, par ailleurs, par exemple, pour vous dire un peu l'information du jeune musulman, lorsque Mamri, ça aurait pu les intéresser, quand même, a refusé ce prix qui était un prix prestigieux, qui a été fait, c'était le premier prix. D'ailleurs, après le refus de Mamri, puis la guerre d'Algérie, le prix a disparu. Mais c'était un prix qui a été lancé avec, sous le patronage de Gide, etc., avec, donc, qui a mobilisé les quatre plus grands jurys littéraires, Goncourt, Renaudot, Interallié et Fémina. Donc c'était pas rien. Le jeune musulman a fait silence radio sur cette nuit, parce qu'il était à sa campagne, il fallait dénigrer Mamri, il ne pouvait pas en même temps dire que c'était un vendu et dire qu'il a refusé ce prix uniquement parce qu'il était doté par les côtes d'Alger. Donc pas un mot là-dessus, donc pour vous dire un peu les malheurs, l'éthique qui guidait ces gens-là. De la même manière, je le raconte dans le livre, quand Ahmed Talb, dans ses mémoires, qu'il écrit en français, publié en 2013 à Alger, a raconté comment il a mis fin au cours de berbère. Alors, il cite, à l'appui de sa thèse, alors, vous en appelez dans le mille, vous ne devinerez jamais qui, Bessaoud Mohamdar. Il est président de l'Académie berbère, voilà, qu'il a. Association dans son régime auquel il a parvenu quand même à embastiller les militants pour le seul fait de détenir un alphabet tifina. Il dit voilà ce que dit Bessaoud. Il raconte effectivement que Mouloud Mamri lui a dit qu'il était découragé, qu'il allait abandonner les cours parce qu'il donnait ses cours et que les Kabyles ne s'intéressaient pas à leur langue. Alors, il y a une partie de vrai là-dedans. Moi-même, quand j'étais élève dans les années 60, nous étions très très peu nombreux dans ce cours qui n'avait aucune existence, soit dit en passant, légale. Moi, je faisais des études de mathématiques, et puis j'allais à ce cours parce que c'était Mamri, parce que c'était le berbère, et puis il y avait des étudiants de médecine, d'économie, voilà. Il n'y avait absolument. Et puis c'était entre midi et deux, dans une salle à l'étage. Par contre, à la fin des années 60, justement, au début des années 70, pour des raisons diverses et variées, le nombre d'étudiants a augmenté et de la salle, Mamri a dû occuper un amphi parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place. Non seulement il n'a pas arrêté, mais c'est au moment où il y a eu justement cette affluence que le cours a été supprimé. Et Talb Hamad explique donc que c'est parce qu'il a arrêté ce cours, parce qu'il n'avait pas d'étudiants et que le professeur ne voulait plus continuer de l'assurer. Ce qui est une contre-vérité, jamais Mamri n'a décidé d'arrêter ce cours.
Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, je voulais juste d'abord merci pour l'œuvre là, de ton livre. Ça a été un véritable régal. Je voulais avoir ton sentiment sur le fait que lorsque La colline oubliée avait été publiée, on l'avait traité de roman un peu ethnographique. Et on avait critiqué Delmoud Zatar Hamarbi sur le fait qu'il n'avait pas été assez militant. Et sur sa deuxième œuvre, sur Le sommeil du juste, on a l'impression qu'il le rattrape, c'est un roman qui est un peu plus militant. Et sur l'œuvre globale, puisque tu as une idée un peu plus précise, toi, de l'œuvre globale, toi qui l'as bien connue, sur La traversée, on a l'impression que c'est le point final de l'œuvre. D'ailleurs, le héros principal revient à Fasga, c'est-à-dire qu'on revient à La colline oubliée. Et on a l'impression qu'après La traversée en 82, il ne peut plus rien écrire. C'est comme si la boucle était bouclée. Et que ces lignes de fracture qui sont sous-jacentes au roman là, qu'on évoque aujourd'hui, La colline oubliée, ces lignes de fracture existent encore aujourd'hui. C'est d'une actualité brûlante. Je voulais avoir ton aperçu sur l'œuvre dans la globalité. Alors, à propos de cet aspect militant, je reviens d'abord à La colline oubliée et de sa dimension ethnographique. Dire que c'est un roman ethnographique, c'est évidemment une condamnation. Parce que je vous renvoie à un texte du ministre Ben Yahya qui a interdit l'enseignement de l'ethnographie, qui considère comme une science coloniale. Donc qualifier roman ethnographique dans ce contexte-là, ça veut tout dire. On a utilisé le même mot à propos de Mouloud Feraoum. Alors je cite des critiques littéraires. Qui ont étudié de près l'œuvre, y compris de Feraoun, contre lesquels ce qualificatif a été plus souvent utilisé que pour Mamri, et comparé à d'autres écrivains français, il n'y a pas plus d'éléments ethnographiques que beaucoup d'écrivains auxquels il a été comparé. Mais encore une fois, c'est davantage la volonté de disqualifier cette... Pourquoi ethnographique ? Parce qu'il y a du berbère, le berbère c'est le colonialisme. Et là-dessus, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que les Aoulamas ont réussi. Alors là, il faut dire quand même que leur discours a marché. Ils ont réussi, peu importe qu'il soit juste ou faux. Ce n'est pas seulement les thèses vraies qui marchent. Ils ont établi une équation absolument redoutable, c'est que berbère égale colonialisme.